l'Université Technologie de Compiègne, en coopération avec le lycée franco-mexicain et l'Institut Polytechnique National, l'IPN, a démarré un campus. Et ce campus consiste, dans un premier temps, en un programme de tronc commun d'ingénierie, donc deux premières années de la formation d'ingénieurs qui sont dispensées au sein du lycée franco-mexicain et qui permettront par la suite aux étudiants de poursuivre leurs études en France, à Compiègne, et terminer éventuellement dans le cadre d'un double diplôme avec l'Institut Polytechnique National. Il y a une activité très emblématique au sein du tronc commun d'ingénierie, c'est ce module d'enseignement qu'on appelle donc projet de réalisation, où les étudiants sont confrontés pour la première fois à des problématiques de réalisation concrète dans le cadre d'un projet et sur la base d'un cahier des charges. Bien sûr, tous les aspects qui sont nécessaires à la bonne réalisation d'un projet seront revus par la suite dans des modules d'enseignement spécifiques, la gestion de projet, l'économie, des aspects de design. Les élèves apprennent déjà à formaliser une demande, un besoin, une nécessité d'un client. Ensuite, ils apprennent à concevoir la solution en 3D ou ils vont concevoir l'algorithme de programmation si c'est la programmation d'une partie commande et ils vont devoir ensuite passer à la réalisation où les véritables problèmes arrivent. Cette année, nous avons 12 projets. Il y a par exemple une harpe laser. Il y a un kart à convertir de thermique en électrique, une adaptation pour une personne invalide qui n'a pas de pouce pour qu'il puisse conduire une moto ou un vélo. Donc c'est très varié en termes de réalisation. Dans notre projet, on contacte d'abord les clients pour savoir quelles sont ses contraintes et ses besoins. Et puis on se met d'accord, notre client valide les solutions que l'on a données pour ces projets. Et ensuite, on commence à travailler et finalement, on va lui montrer notre projet fini pour qu'il puisse les juger et voir si l'on a répondu à son besoin. C'est le premier projet que nous faisons dans notre préparation comme ingénieurs. Mais c'était divertido parce que nous apprenons quelle est la labor d'un ingénieur, de llevar à cabo un projet, solucionar tous les conflits qui surgent. Mes conseils pour les alumnos du prochain an, quand ils font un projet, no tengan un compañero, tengan un amigo a su lado, porque un proyecto es difícil, a veces van a sentir como que no encuentran salida, pero si tienen un amigo al lado que les diga, nosotros podemos, vamos a sacar esto adelante, pues en cuanto se sientan bien, van a encontrar una solución juntos.